Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita. Attendez des nouvelles, ça qui entre la caille ou moins c'est mettre info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal information sans force côté A. Ensemble, organisation de base, non opposition, organisé un sitting, journée jeudi A, devant l'ambassade américaine dans Port-au-Prince pour dénoncer l'ambassadeur américain en Haïti, Madame Michelle Sisson, avec représentant secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, Madame Hélène Lalim, pour suspendre, supporter dictature, insécurité, massacre avec kidnapping dans le pays d'Haïti. Conseil national société civile haïtien, dans voie secrétaire général li, Joseph Domingue Orjela, mandé tout secteur vive, toute force vive nation, mais pour être capable de mettre intérêt par yo sous côté, mais pour chita parler dans intérêt pays d'Haïti pour résoudre crise pays d'Haïti à lui-même qui en danger, qui presque tombé dans un abîme. Toujours pas gagné et bilan dans question gros opération. Gros déploiement, la police était fait dans bicentenaire ailleurs, dans zone village de Dieu. Donc après, un jour après, eh bien, gang village de Dieu lui-même, il était attaqué bureau EDH là dans bicentenaire côté gagné un monde qui mourit avec un disons plusieurs autres monde qui recevoir balle dans la cour EDH là qui était blessé. Président américain Joe Biden publié journée jeudi a plan relance économie américaine qui voté dans deux chambres et qui totalisait un montant de 1900 milliards de dollars américains. Donc en pile secteur dans pays États-Unis quoi, mais plan ça a gagné un gros impact positif et ben sous plan disons sous question économie avec société américaine. Amis téléspectateurs, amis internautes, sans camper, nous déraper avec développement information yo, et bien ensemble organisation de base non opposition organisé journée et jeudi à devant ambassade américaine dans Port-au-Prince. Un sitting qui était déroulé fois ça et sans la police pas dispersé à coup de gaz lacrymogène quoique était kembe on tijan à distance devant ambassade là. Dans sitting ça organisation yo parti avec bot ambassadeur américain en Haïti madame Michelle Sisson avec représentant bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti madame Hélène Lalim. Et donc yo mandé américain pour yo suspendre supporter dictati Jovenel Moïse tabli dans le pays d'Haïti. Gagné dans manifestant eux-mêmes qui était et gagné photo et parlementaire américain dans main yo parlementaire américain yo dit qui a supporté cause pays d'Haïti dans et bien parlement américain. Donc moun silayo qui était campé et piquette devant ambassade américaine nan, donc yo kwè et bien ambassade américain en Haïti a Michelle Sisson avec madame Hélène Lalim qui c'est représentant secrétaire général Nations Unies en pays d'Haïti. Et bien moun sa yo même c'est pas ambassade, c'est plutôt employé PHTK. Donc nous invitons écouter yon après l'autre met Iswik Théophin Jean Timanis avec Ebens Cadet. Toutes les organisations qui sont en opposition à pouvoir tête calée de facto et casser rendez-vous devant l'ambassade américaine. Je dis à pour demander américain laguer Jovenel Moïse au Kembe sous pouvoir. Et yon l'adéo, c'est organisation, ensemble organisation de base dans l'opposition. J'étais organisé sitting ça devant l'ambassade américaine dans la commune Tabar pour continuer à demander la communauté internationale, les États-Unis particulièrement, suspendre appuyer Jovenel Moïse qui a déploré une dictature dans le pays. Mandat fini depuis 7 février 2021. C'est ça qui était déroulé sans incident. Et t'es un chat qui t'a pété ambiance, t'es un bon rara.
et manifestants yo pour la plupart te gen nan men yo photo plusieurs parlementaires américains yo remercier yo dit qu'a supporter bataille peuple haïtien a mené quelques nan manifestants yo te boulé caoutchouc et puis yo te lancé parole piment bouc contre ambassadrice américaine nan accrédité en Haïti madame Michelle Sisson ak représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti qui sont américaines tout madame Hélène Laligne yo accusé cap travail et qui marre dans pied table PHTK cap travail PHTK et n'a invité au côté déclaration maître Izwik Théophane Gentimanis ak Eben Skadet et fait dans micro Joubert Joseph. Raison fondamentale qui met nous là aujourd'hui, c'est parce que nous estimons Jovenel Moïse privé d'un fait mandat, malgré ça, il prend le palais national en otage. Mais on a regardé ensemble des gens qui aiment Jovenel dans le palais national. Nous, c'est le gouvernement américain, premièrement, c'est Kogou, c'est le département d'État, c'est OEA qui aiment Jovenel dans le palais national. Comme nous-mêmes, nous qui cherchons des recherches, nous qui cherchons qu'on est. Nous comprenons qu'il y a un plan américain remonté qui vient déterminé depuis après la Deuxième Guerre mondiale pour que tout pays, tout pays dans l'Amérique latine, notamment Haïti, qui remette en question esclavagisme, exploitation. Eh bien, si je venais là, c'est eux-mêmes qui permettent qu'il y ait un palais national. Et nous voulons dire, gouvernement américain, hein, pour que vous désolidarisez avec Jovenel Moïse qui prend le palais en otage. Nous saluons encore une fois les musiciens, artistes qui disent si, je dis à Mouna Saline, nous avons souffert. Bon côté parle, professeur Josué Merlien, qui lui-même ses représentants et combit organisation syndicale à Populaire, il salue solidarité internationale la Lydie qui commençait, eh bien, qui commençait et gagnait, j'ai l'ouvri sur situation pays d'Haïti. Daryl Balthazar, membre secteur démocratique à Populaire, qui a même position à professeur Josué Merilien sous G. Eh bien, communauté internationale a commencé à gagner l'ouvrir sous situation pays d'Haïti. Reginald Dumé, représentant Challenger Populaire, et donc logé droite journal bien long sous représentant secrétaire général Nations Unies en pays d'Haïti. Madame Hélène Lalime, Lydie, qui a supporté eh bien, corruption avec dictature dans le pays d'Haïti. Nous invitons à écouter, l'un après l'autre, professeur Josué Merilien, Daryl Balthazar, avec Reginald Dumé. Organisation qui est en opposition à pouvoir tête calée de facto et casser rendez-vous devant l'ambassade américaine. Je dis à pour t'a demandé américain laguer Jovenel Moïse au Kembe sous pouvoir. Et yon la deux, c'est organisation, ensemble organisation de base dans l'opposition. J'étais organisé sitin ça devant l'ambassade américaine dans la commune Tabar pour continuer à demander la communauté internationale, les États-Unis particulièrement, suspendre appuyer Jovenel Moïse qui a déploré une dictature dans le pays. Mandat fini depuis 7 février 2021. Sitin ça qui était déroulé sans incident, et t'es un char qui t'a pété ambiance, t'es un bon rara, et manifestants yo pour la plupart te gen nan men yo photo plusieurs parlementaires américains yo remercier yo dit qu'a supporter bataille peuple haïtien a mené quelques nan manifestants yo te boulé caoutchouc et puis yo te lancé parole piment bouc contre ambassadrice américaine nan accrédité en Haïti madame Michelle Sisson ak représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti qui sont américaines tout madame Hélène Laligne yo accusé cap travail et qui marre dans pied table PHTK cap travail PHTK et n'a invité au côté déclaration maître Izwik Théophane Gentimanis ak Eben Skadet et fait dans micro Joubert Joseph. Raison fondamentale qui met
mettez nous là aujourd'hui, c'est parce que nous estimons Jovenel Moïse privé dans le fait mandat, malgré ça, les grands palais nationaux en otage. Mais on a regardé ensemble de monde qui aimait Jovenel dans le palais national. Nous, c'est le gouvernement américain, premièrement, c'est Kogou, c'est le département d'État, c'est OEA qui aimait Jovenel dans le palais national. Comme nous-mêmes, nous qui cherchons des recherches, nous qui cherchons connaître, nous comprenons qu'il y a un plan américain remonté qui est déterminé depuis après la Deuxième Guerre mondiale pour que tout pays, tout pays dans l'Amérique latine, notamment Haïti, qui remette en question esclavagisme, exploitation. Eh bien, si je venais là, c'est eux-mêmes qui permettent qu'il y ait un palais national. Et nous venons dire, gouvernement américain, en tout cas, nous désolidarisons avec Jovenel Moïse qui prend le palais en otage. Nous saluons encore une fois les musiciens, artistes qui disent si je dis à Mouna Saline a souffert, communauté internationale là-bas. Innocent, soit la saline qui massacre, ambassade pas innocent, soit mon belle va vivre, mais ambassade qui n'est pas innocent, ça que nous disons pas innocent, c'est eux-mêmes qui toujours en complicité avec l'État, Malatoum, l'État est stable. Plusieurs autres militants qui ont participé dans sitin ça, ont exprimé colère devant le comportement ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Mme Michelle Sisson, et représentant secrétaire général des Nations Unies, Mme Hélène Lalime, ont dit mais qui pas suspend menti sous le pays d'Haïti et si porté crime qui a fait tout partout dans le pays à travers position yo prend à travers sipo yo bay président Jovenel Moïse Mandal déjà fini depuis 7 février 2021 nous invitons à écouter plusieurs nan yo. Yeah.
pile lobby qui a fait, non seulement au niveau de l'administration américaine, mais beaucoup de Biden et vice-président Kamala Harris, et ont été compris, lobby qui a fait au niveau des congrès. Et nous-mêmes, nous venons là, tous militants engagés, leaders de base, dirigeants, pour nous dire, nous comprenons que bataille, que ensemble, congressmen, congresswomen, ça va prêner, nous disons que nous solidaires avec eux. Côté crise haïtienne, jusqu'au bout, nous sommes capables de déraciner kidnappeurs, déraciner insécurité, déraciner dictature dans tel pays. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce sitting à Josia pour dire que nous sommes solidaires. L'autre information, Conseil national société civile haïtien, dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée jeudi, a demandé tout secteur vive en nation, avec toute force politique pour être capable de faire une véritable entente pour sauver le pays d'Haïti qui est en danger pour disparaître d'après Domingue Orjela. Donc si tout le monde pas mettre intérêt personnel yo sous côté, eh bien pour yo garder ensemble intérêt pays d'Haïti qui a plongé dans un trou sans fond. Joseph Domingue Orjela, c'est coordonnateur général Conseil national société civile haïtien. Pays a pas qu'arriver pi bas que côté lié aujourd'hui. C'est ça que fait nous dit faut gagner nous chita parler. Côté pour nous mettre une équipe gouvernementale qui effectivement tient compte de tout le monde sans exclusion. Parce que, il y a des gens qui ne veulent pas stabilité. Et stabilité a rangé un peu le monde parce que c'est des lieux vivants. Mais entre temps, le peuple a mouru. Si les gens ne peuvent pas apprendre l'école, ils ont perdu 2 ans déjà. Mais ils ont parti pour perdre 3e année. Est-ce que nous prenons pour nous faire perdre une 4e année? Pendant un peu de monde qui est engagé dans la bataille, petit yo tout à l'étranger. Petit yo a étudié normalement, madame yo pas là. Et comme yo prend ici, c'est pour te porter l'aller. Quand y a long avion à rentrer ici, avion yo presque entré vide. Mes amis, si c'est dirigeant nous, si c'est pour le pays à notre travail, si c'est pour le peuple à notre travail, qui ça empêche nous mettre tête nous ensemble? C'est tant de temps pour blanc venir avec un bout de bâton pour le faire nous chita. C'est ça, le Conseil national a apprené un dialogue franc, un dialogue côté. Tout le monde respecte tout le monde, un dialogue côté. C'est le pays a effectivement qui a bénéficié de ce dialogue. Même penser que nous avons toujours qui a joué le rôle de jouer. Parce que faut des gens qui mettent tout le monde au chita. Nous avons besoin de étrangers qui viennent mettre nos chita. Non! Parce que l'intérêt à venir de nos chita, la plus devant l'intérêt pas, c'est pas l'intérêt Haïti. D'abord, mettez intérêt Haïti avant tout, et le ça, nous avons besoin de monde qui pour mettre nos chita, nous vider contentieux, et nous partir sur un projet, un vrai projet pour le pays, pas un projet pour un petit groupe, parce qu'on a besoin de pouvoir, parce qu'on a besoin de garder le pouvoir. Mais non, un projet pour le pays, comment pour nous faire le pays, et prendre escape figuille. C'est ça. Les l'état d'économie, nous avons un état économique pays. L'État pas fonctionné, nous avons fait contre les bonnes par là. Mais c'est avec taxes, toute prévision qui fait tout. C'est avec taxes, nous avons fait taxes. Les nous finissons épuiser tout et ça gagne dans la Banque centrale. Ça nous va le faire. Pays a éclaté. Nous avons ça classe, c'est le beaucoup de problèmes. Pour si nous ne pas prendre des mesures drastiques pour nous camper, ça nous fait là. À l'étranger, président américain Joe Biden a publié loi plan relance 1900 milliards dollars américains qui joignent vote et deux chambres pour être capable de relancer l'économie américaine. Donc, il y a un vote, toute presse qui progressiste dans le pays États-Unis, eh bien, saluer Jodia comme une grosse victoire pour Joe Biden qui gagnait 50 jours depuis l'arrivée dans Maison-Blanche comme nouveau président américain. La presse dans le pays américain, quoi, eh bien, plan relance capable de pays américain. Eh bien, il y a un gros élan sous plan économique avec social. Nous toujours à l'étranger, fois ça, nous tombons dans le pays Birmanie. Côté depuis plus passé un mois, le régime militaire a fait un coup d'état sous le président
il y a Aung San Suu Kyi, ben peuple lui-même li nan la rue chaque jour, ben la braver danger en bas répression régime militaire pour capable mander libération président Aung San Suu Kyi. Militaire eux-mêmes yo fermé nan prison, donc avec tout pour demander retour à l'ordre démocratique là dans pays Birmanie. Donc d'après Nations Unies, déjà gagné plus passé 70 moun qui mouri en bas balle militaire nan et moment ben gros manifestation populaire yo organisé dans la rue dans pays Birmanie chaque jour depuis coup d'état. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça, c'est des amis frères Met Info qui t'a servi, on nous casser rendez-vous demain.